Hey. Bon, ben, vous voyez, je suis légèrement chargée. Voilà, j'ai quelques mangas à vous présenter dans cette vidéo-là. J'espère que ça va vous plaire. Donc c'est parti. Vous avez aimé le principe de la vidéo Ma bibliothèque de A à Z. Alors je me suis dit que maintenant, ben, j'allais faire la même version avec les mangas. Voilà. Maintenant, il faut juste que je trouve un endroit où poser tout ça. J'avais pas pensé à ça avant de faire la vidéo. Oh purée. Et j'espère que ça va pas se casser la gueule puisque ça, c'est pas garanti. Donc, je vais vous présenter les 26 lettres de l'alphabet avec des mangas ou des albums et vous faire un petit topo sur chacun des tomes présentés en espérant que ça va vous plaire. Alors, lettre A, je vous ai pris Alice 19 par Yu Watase, édité chez Glénat. C'est une série qui est en 7 tomes. C'est un shoujo un peu magical girl avec un fond de. Il y a une histoire derrière, si vous voulez. C'est du shoujo, mais c'est pas tout à fait niais quand même. Des fois, ça peut être violent quand même dans les scènes. Mais c'est un de mes tout premiers mangas et j'avais beaucoup aimé à l'époque. Et du coup, je vous le recommande si vous avez la possibilité de les acheter en occasion. C'est franchement pas mal. Et il n'y a pas d'animé à ma connaissance. Lettre B, c'était l'évidence même qu'il fasse partie de cette vidéo. Je vous présente Black Butler par Yano Tobosa, édité chez Kana, série en cours avec 18 tomes en France et 20 au Japon, si je ne me souviens bien. Alors, j'ai pas envie de vous dire si c'est un shoujo ou un shonen, parce que les autres me disent que c'est un shonen ai, les autres me disent que c'est un shonen, pour moi c'est un shoujo, ils disent, excusez-moi. Pour moi, c'est pas un shoujo. Faut arrêter, les gars, maintenant, de me dire que ça c'est un shoujo, parce que ça m'énerve en fait, plus qu'autre chose. Voilà, alors Black Butler, c'est une histoire avec un majordome qui est en fait un démon et il résolve des enquêtes à l'époque victorienne en Angleterre. Lettre C, là aussi c'est un de mes premiers mangas, si ce n'est le premier que j'ai possédé, Cyber Idol Link, qui est édité chez Soleil. J'espère qu'il existe encore. La mangaka, c'est Tachigawa Megumi, donc en 6 tomes, je ne sais plus si je l'ai dit. Ça, c'est un truc très très basique, hein. C'est une magical girl qui se transforme. Donc elle s'appelle Miku, je crois. Et quand elle prend son nom de scène, elle s'appelle Mink. Et puis voilà, elle va rencontrer un garçon. Et puis ils vont tomber amoureux l'un de l'autre. Mais ils vont se chercher pendant 6 tomes. Voilà. Mais j'ai adoré. C'était le bon temps, comme on dit. Ensuite, lettre D. Je vous ai encore pris un manga avec des démons, tout simplement parce que c'est ma créature surnaturelle préférée. Je vous ai pris Devilaine Realiste par Utako Yukihiro et Madoka Takadono, édité chez Tonkam. Alors, il y a actuellement 7 tomes en cours. On n'a pas de nouvelles pour la suite de la série et je trouve ça super frustrant. Donc, c'est une série avec des démons, avec Salomon. Ça traite très légèrement de religion en base de fond. Mais les premiers tomes sont exceptionnellement drôles. Les dessins sont magnifiques. Il existe un animé pour ce manga si vous avez envie de tester. Ça s'appelle Makai Oji et c'est en 13 épisodes si ma mémoire est bonne. Le dessin est un peu moins impressionnant, mais si vous avez envie de tester sans vous ruiner, ça pourrait être l'occasion. Lettre E, c'est un shonen sportif que je vous présente. Je vous présente High Shield 21 par Yusuke Murata et Reicho Inagaki, édité chez Glénat. Je ne sais vraiment plus combien de tomes a ce manga. En fait, j'avais décidé d'acheter les tomes papier parce que je m'étais lancée dans l'anime et que j'avais adoré. Et puis en fait, j'ai des tomes complètement éclectiques sur la série. C'est du shonen sportif dans toute sa splendeur sur du foot US. Si vous aimez les shonen sportifs, je vous le recommande. Si vous aimez pas du tout ça, ben, passez votre chemin parce que c'est tous les codes du genre. Je ne sais plus combien de fait d'épisodes de l'animé, mais pareil, si vous avez envie de tester pour voir si ça vous plaît, il existe sous le même nom. Lettre F, je vous ai pris un culte dans les shoujo, je vous ai pris Fruit Basket par Natsuki Takaya, série terminée en 23 tomes. Il existe aussi un animé de 26 épisodes qui traite seulement des 6 premiers tomes, je le précise. Alors, Fruit Basket, au tout début, c'est un shoujo assez classique, une demoiselle qui va se retrouver entourée par plein de beaux garçons qui se changent en animaux du zodiaque chinois. Petit truc qui fait que ça a son originalité. Au début, scénario classique, l'héroïne est très niaise, et puis petit à petit, ça devient de plus en plus sombre. Et ça devient franchement intéressant. J'ai lu ça il y a plusieurs années, mais Fruit Basket aura toujours une place dans mon cœur parce que ça me rappelle mon adolescence. J'arrêtais pas de les lire et du coup, je m'éclatais comme une folle avec ça.
Parce que forcément, quand vous lisez Fruit Basket, il y a forcément un des mecs qui vous plaît, si ce n'est plus, parce que déjà ils sont tous beaux gosses, ils se transforment en animaux, alors selon lequel c'est trop classe, genre le gars il se transforme en serpent et tout, selon si vous aimez ça, c'est trop bien. Mais voilà, en plus les personnalités toutes différentes, tout, donc c'est génial. Ensuite, lettre G, je vous ai pris Galisme de Mayumi Yokoyama, édité chez Panini Comics. C'est rien, 6 tomes, c'est bien ça. Franchement, elle, j'ai craqué parce que j'étais en Japan Expo et il y avait les 6 tomes et chaque tome était en occasion. Donc je crois que ça m'avait coûté moins de la moitié du prix de les avoir les 6 ensemble, donc je les avais pris, mais... C'est clairement pas ma cam. Si un jour je devais vendre des mangas, cette série en ferait facilement partie. Ça distrait, mais pff, ça me passe au-dessus bien complet. Ensuite, lettre H. Je vous ai pris Honey Hunt par Miki Aihara, édité chez Panini. De mémoire, c'est en 5 tomes aussi. C'est une série terminée. 5 ou 6 tomes. C'est une série terminée. Vous savez déjà que j'adore Miki Aihara pour son autre série qui est Hot Gimmick, que vous aurez pu vous prendre pour la lettre H, mais je vous l'ai présentée il n'y a pas longtemps, alors j'ai préféré vous prendre celle-là. Là, on est dans des intrigues de show business qui changent un peu, donc du coup pour comment dire, pour du shoujo, parce que là, de mémoire, en fait, la fille, elle veut faire partie du show business, mais le problème, c'est que ses deux parents sont très connus dans ce milieu-là, et qu'elle veut créer sa place dans le domaine, mais toute seule, sans leur aide, sans leur appui, si je me souviens bien. Et... Oh, je sais plus. Ou au contraire, elle veut pas du tout être... dans le monde du showbiz, bon bref, en tout cas sa vie va complètement changer et c'est très très bien et j'avais adoré parce que c'était du Miki Aihara. Voilà, je vous conseille. Ensuite, lettre I, je n'ai pas le manga physique à vous présenter, mais je voulais vous parler du manga Imadoki par Yu Watase. 5 ou 6 tomes là aussi je pense. C'est un shoujo assez classique avec des histoires de lycéens. Celui-là je vous le recommande pas particulièrement pour un achat. Peut-être si quelqu'un peut vous le prêter, ça peut être distrayant, mais je vous conseille pas sur du long terme de le posséder. Il n'est pas exceptionnel outre mesure. Voilà. Ensuite, lettre J. En fait, j'ai fait des cafouillages. Il y a des moments vu que j'ai pas des livres papier, ben, je vous ai mis des papiers pour pas oublier les lettres, c'est le bordel. Lettre J, j'ai dit que je vous prenais Junjo Romantica, qui est un yaoi. Je pense qu'on peut le qualifier de yaoi ou shonen ai, bon, en tout cas c'est du boys love. Et je sais plus combien il y a de tomes sur ce série, il y en a au moins 10. Et j'avais pas trop aimé la version manga. Je vous recommande fortement de regarder l'animé au même nom si vous avez envie de vous plonger dedans. Ça peut vous donner une idée de l'univers, des situations comiques. Et voilà. Après, peut-être vous préférez vous regardez pas d'animé tout court, alors vous pourriez essayer le manga papier. C'est à votre convenance. Voilà. Ensuite, lettre K. Je vous ai pris un autre shoujo qui a bercé mon adolescence et que j'ai adoré. Il s'agit de Care First Love par Kaomi Asaka, édité chez Panini, série terminée en 10 tomes. Je me souviens que quand j'avais acheté Care First Love, j'avais enchaîné le 1 et j'avais été en mode addict et j'avais enchaîné tous les tomes qui étaient disponibles à l'époque. Et je crois que c'était les 4-5 premiers et du coup il fallait que j'attende après donc 2 mois entre chaque somme et c'était la torture parce que j'aimais trop cette série. C'est une jeune fille qui s'appelle Karine, depuis tout à l'heure j'oublie complètement de montrer les dessins, pardon. Elle s'appelle Karine Carino, elle est très très timide, elle ne parle pas aux garçons, elle a toujours été dans un collège pour filles, elle ne pense pas du tout aux mecs de manière générale. Et elle va se retrouver en contact avec un garçon qui s'appelle Kiria. Et qui va chambouler son univers. Voilà, donc j'aime beaucoup. Ça peut sembler très classique au jour d'aujourd'hui, je pense, Care First Love. Mais moi, il a une place dans mon cœur. Alors du coup, je trouve pas ça hyper, hyper niais. Vous voyez ? Voilà. Ensuite, lettre L. Je vous ai pris le manga Library Wars par... je m'en rappelle jamais. Kiro Yumi. Et à la base, c'est un roman de Hiro Arikawa. Édité chez Glénat, là aussi c'est un manga super marrant. Vous voyez, je vais vous montrer une image et ça va vous faire rire normalement. En fait c'est un shoujo qui parle de bouquins, donc déjà laissez-moi vous dire que c'était obligé que je me le lise. Mais c'est un shoujo mais avec une base derrière d'armée.
du coup un peu de politique, mais c'est franchement pas compliqué. Les premiers tomes sont hilarants, on ne peut pas s'empêcher de mourir de rire devant. Du coup, je vous recommande fortement. Il y a de la romance, mais c'est dosé, c'est pas niais. Et du coup, là pour l'instant, le tome 11 vient tout juste de sortir en France. Je ne sais pas combien il y a de tomes en tout, je crois qu'il y en aura 15, mais j'apprécie fortement cette série. Je suis submergée par les mangas. Ensuite, lettre M, je vous ai pris un manhwa, et accrochez-vous bien parce qu'avant que je dise du bien d'un manhwa, il faut se lever tôt. Je vous ai pris le tome 1 de Mes chères filles par Kim Hee-un, édité chez Claire de Lune. J'avais acheté ce tome en Japan Expo parce que voilà, j'avais envie pour une fois de lire des manhwa, parce que j'aime pas les manhwa, mais que je me sens mal de pas les aimer. Du coup, j'avais pris celui-là, et notamment parce que ça se passe en Angleterre au 19e siècle, époque qui me plaît. Et j'avais bien aimé dans sa globalité. J'ai lu que le 1, j'avais pas acheté la suite parce que tout simplement j'y pense pas. Mais j'en garde un bon souvenir, et peut-être si je trouve les tomes pas chers, je lirai la suite. Mais je ne me presserai pas non plus outre mesure pour le bouquiner. Lettre N. Alors là, j'avais le choix entre deux trucs, entre deux gros challengers. Je savais pas lequel vous prendre. Alors, j'espère qu'il y aura pas de déception. C'était soit Nana, soit Nejima. Et bien, j'ai pris Nejima. Voilà. Parce que Nana, je pense que tout le monde le connaît. Je l'ai suffisamment présenté. Parlons un peu de Monsieur Negi. C'est un jeune garçon de 10 ans, écossais, qui va se retrouver affecté pour valider son diplôme de magie dans un lycée féminin japonais où il doit être prof d'anglais. Il est entouré donc d'une classe où il y a 31 élèves, je crois, que des filles. Et c'est du Ken Akamatsu dans toute sa splendeur. Ah oui, j'ai oublié de le préciser. Manga terminé en 38 tomes, édité chez Pika Edition, écrit par Ken Akamatsu. Et c'est du Ken Akamatsu tout craché. Il y a des jolies filles, il y a des scènes ecchi, des tendances sexuelles tout du long. Mais les premiers tomes sont franchement sympas. Je n'ai pas terminé la série parce que justement je trouvais que ça traînait trop en longueur malgré les très bonnes idées qu'il y avait dedans. Il y a différentes versions de l'animé. Moi j'ai la première version en DVD, après il y avait eu d'autres, il y a des OAV. Mais je ne pense pas qu'il y ait un seul animé qui traite de l'intégralité de l'histoire. Mais voilà, si ça peut vous donner envie de tester l'univers de Monsieur Akamatsu, il y a des animés pour ça. Lettre O. Je vous ai pris Otomen, qui est de Kano Aya, édité chez Delcourt. Là non plus, je ne me souviens pas combien il y a de tomes, mais au moins 7. De mémoire, au moins 7. Alors là, ce qui m'a énormément plu, c'est que c'est un shoujo, mais notre personnage principal est un homme. C'est un homme qui aime les fleurs, qui aime coudre, qui aime tout ce qui est mignon. Et en fait, le problème, c'est que tout le monde croit, comme sur l'image que je vais vous montrer, que c'est un homme, un vrai. Il fait du kendo, il est viril, il se bat. Alors qu'en fait, il est semblable à une petite fleur. Et puis, il est amoureux d'une demoiselle. Et il y a des histoires un peu cocasses, des quiproquos autour de ça. C'est mignon. C'est pas exceptionnel là non plus, mais on se marre. Et c'est tout ce qu'on demande avec un shoujo manga. Tant que ça bave pas la romance, et ce n'est pas le cas. Lettre P. Je vous ai pris Anakimi d'Issei Anakajo, édité chez Tonkam, série terminée en 23 tomes. Alors, il n'y a pas d'animé pour cette série-là, mais il y a différents dramas. Il y a un drama taïwanais et japonais au minimum. Si vous avez envie de tester une version vidéo avec des beaux garçons dedans. Alors là, nous sommes avec une américaine qui décide de tout plaquer pour aller vivre dans un internat de garçons au Japon pour voir son idole, et il se passe des situations cocasses forcément étant donné que c'est la seule fille dans un lycée et que personne ne doit le savoir. Et voilà, c'est mignon, c'est des fois il y a des situations, t'es là, tu dis mais ouvre les yeux, pourquoi tu fais ça, mais c'est tellement bien. Donc je vous le recommande fortement si vous ne connaissiez pas encore. Alors, lettre Q, je ne l'ai pas en papier, je ne l'ai pas lu, mais je fais un petit joker parce qu'il y a des lettres qui sont compliquées tout de même. Alors, pour la lettre Q, je vous ai pris Quasar of Stigmata, qui était, je sais pas du tout chez qui il est édité, je sais pas du tout quel est le mangaka, mais je sais que c'est un manga avec beaucoup d'ecchi et beaucoup de combats. Si j'y pense, je vous mettrai les noms des mangas cités dans la barre d'infos.
pour que vous puissiez aller voir. Et lui aussi, Quasar of Stigmata, il y a un animé qui est paru au Japon. Il y a même 2 saisons, si je dis pas de bêtises. Mais voilà, j'ai pas vu, ça ne m'intéresse pas, donc je peux pas vous en parler du tout. Mon frère est accro, par contre. Si vous voulez cette information, c'est pas grave. Ensuite, lettre R. Là aussi, j'ai piqué dans la bibliothèque de mon frère, mais celui-là, je l'ai lu en partie. Le premier tome de Rosario plus Vampire par Akihi Saikeda, édité chez Tonkam. Là aussi, c'est un manga qui fait 20 tomes en tout, donc 2 saisons de 10 tomes, si je ne me trompe pas. Dans un lycée où il n'y a que des créatures surnaturelles pour élèves, vampires, loups-garous, femmes des neiges, sorcières, ainsi de suite. Sauf que le problème, c'est que notre personnage principal, qui s'appelle Tsukune, il est totalement humain, et il ne connaît pas l'existence des créatures surnaturelles. Ça crée des situations hilarantes, toutes les nanas sont attirées par lui, alors qu'il n'a rien demandé, et voilà, on rigole énormément. Là aussi, pas mal de scènes ecchi, donc à tendance sexuelle. Mais bon, si c'est le genre d'humour qui peut vous plaire, je pense que ce manga sera de votre goût. Alors, on approche de la fin. Lettre S, je vous ai pris Trail of Hearts par Aya Shoto, édité chez Soleil, parce que cette mangaka fait des dessins de dingue. Ils sont juste tellement magnifiques. Voilà. À la base, c'est ça qui m'a attiré sur le manga, je ne vous le cacherai pas. Et puis le fait qu'il y a en général dans les séries d'Aya Shoto une bonne série de bishonen, plein de beaux garçons, et du coup ça donne envie de lire. Voilà, là on est dans un shonen où, si je me souviens bien, la fille a perdu la mémoire et elle va se retrouver à vivre dans un dortoir pour garçons dans son lycée. Il y a quelques petites intrigues surnaturelles au milieu, si je me rappelle bien. Mais voilà, c'est clairement pour les bishounen. Si vous cherchez un harem inversé, je vous recommande notamment le travail d'Aya Shoto. Vous allez vous régaler les yeux. Lettre T. Je vous montre Tsubasa Reservoir Chronicle des Clamp, édité chez Pika, série terminée en 28 tomes, qui est cultissime pour moi aussi. C'est du Clamp, c'est splendide, c'est magnifique. C'est un superbe manga des années 2000. Il y a un animé de 2 saisons, il y a des OAV, il y a un film si vous avez envie de voir de quoi ça parle. On est dans un manga où un garçon voyage dans différentes dimensions pour récupérer les parcelles de mémoire de la personne qu'il aime. Enfin, des parcelles d'âme et de mémoire, les deux je crois. Et c'est juste magnifique, il y a des dessins de dingue. Il y a de la bonne morale derrière, il y a différentes formes de magie, différentes formes politiques. Et je trouve ça enrichissant à lire. Et c'est pas niais. Au fur et à mesure que l'histoire avance, ça s'approfondit, ça devient vachement dramatique à certains moments. Et voilà, je vous recommande fortement si vous ne connaissez pas encore, parce qu'il y a, du lourd là-dedans. Alors, lettre U. Je vous ai pris un album de chez Nobinomi, Urashima Taro et le Royaume des Saisons Perdues par La Luciole Masquée et Fuji Shoko. Bon, c'est un album jeunesse. Je pense que les dessins vont vous parler. C'est sur la culture asiatique, notamment sur l'histoire donc de Urashima Taro, mythe culte du Japon. Il est sorti il n'y a pas longtemps. Je pense qu'il y a plein de chroniques sur internet si vous avez envie de vous plonger dedans. Les planches sont splendides, l'histoire est intéressante, donc je vous recommande. Lettre V, je vous ai pris le seul travail de Kaori Yuki que je peux dire que j'ai aimé un jour dans ma vie et que j'apprécie quand même toujours autant, même si c'est pas au même niveau. Je vous ai pris Vampire Host, qui est un one shot, parce que les dessins sont quand même trop beaux et ça parle de vampires, donc c'est génial. Voilà. Au jour d'aujourd'hui, quand je lis Vampire Host, j'ai plus le même attrait que quand je l'ai lu la première fois. Mais j'avais aimé la personnalité de notre héroïne, qui est très combative et très... Enfin, on t'attend trop pas à ce qu'elle réagisse de cette façon-là. Ça a été une bouffée d'air frais pendant que je lisais trop de livres sur les vampires avec le même scénario. Et du coup, si vous aimez Kaori Yuki, je trouverais ça fort dommage que vous ne lisiez pas ce one-shot. Ensuite, W. Je vous ai pris un tome, mais malheureusement il n'y a que le tome 1 qui est sorti en France. C'est un manhwa. Ah, j'en ai pris deux. Donc c'est Witch and Peter par Sian Indin chez Claire Delune, qui était avec des loups-garous et des sorcières. Je me suis dit que ça allait être trop bien. Et du coup, bah oui, c'est pas mal. J'ai bien aimé l'histoire, mais le fait d'avoir qu'un seul tome, ça me dégoûte. Donc j'ai pas voulu me rappeler trop de ce qui se passait là-dedans pour pas être traumatisée de pas avoir la suite.
Ensuite, Y. Je vous ai pris un autre album. Je vous ai pris Yosei, le secret des fées, par Shiitake au dessin et Alice Briaraki au poème. C'est un recueil d'images avec les poèmes juste... Oh, elle est trop belle, elle est toujours aussi belle celle-là. Donc avec des fées sur le côté et un poème de l'autre côté justement pour encadrer tout ça. Et donc dans ce tome 1 notamment, il y a des fées de l'eau, des fées du feu, comme vous pouvez voir, des fées de la terre et des fées du vent, si je me souviens bien. Voilà, c'est un recueil absolument magnifique. Si vous avez besoin de faire des cadeaux pour des petites filles ou des personnes qui aiment les jolies illustrations, je vous le recommande fortement. Nobinobi a même créé un coffret avec les deux tomes, si ça vous intéresse. Joli moment en perspective. Voilà. Hop. Lettre X. J'avais pas 36 000 choix. Je vous ai pris XXX Olic par Clamp, édité chez Pika également, série qui fait au moins 18 tomes de mémoire. J'ai lu que les 2-3 premiers et j'avais bien adhéré à cette ambiance mystique, avec pas mal de suspense, des enquêtes, des personnages où on nous dit pas tout. J'avais bien aimé cette ambiance et puis le fait qu'il y ait de la magie derrière, c'est quand même pas mal du tout. Voilà. Alors en fait, là, j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure, mais Tsubasa Reservoir Chronicle et XXX Olic sont des mangas qui ont une intrigue assez emmêlée l'une à l'autre et les deux séries se complètent. C'est quand même super intéressant. Là aussi pour XXX Olic, il existe un animé en 2 saisons si vous voulez vous intéresser à ce qui se passe là-dedans. Voilà. Et ensuite, le dernier manga, mais pas des moindres, la lettre Z. C'est un manga que je ne possède pas en papier, mais à l'époque, j'avais beaucoup regardé l'animé Zatch Bell, qui est édité chez Kana, de mémoire. Zatch Bell, c'était un manga où il y avait des poupées, avec des pouvoirs qui se battaient. J'avais bien aimé le principe à l'époque, maintenant je suis plus trop dans tout ce qui est shonen, neketsu, où ils se tapent sur la tête. Mais du coup voilà, au moins j'ai pu valider ma lettre Z avec vous. Wouhou, je vais pouvoir respirer un bon coup, cette vidéo est maintenant terminée et vous arriveriez-vous à faire 26 lettres de l'alphabet avec des mangas? Si vous avez envie de relever le challenge, mettez-moi ça en barre d'infos, je lirai ça avec plaisir. En attendant, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, ciao !